Aujourd'hui, c'est une recette de friandises à la pomme et à la cannelle. De 4 cl d'eau, d'une tasse de flocons d'avoine, d'une tasse et demie de farine, de riz, une cuillère à café de cannelle et une grosse pomme. Coupez donc ma pomme en petits morceaux. Je rajoute de l'eau pour pouvoir écraser correctement la pomme. Donc quand j'ai correctement écrasé ma pomme avec mon eau, je vais rajouter donc la cannelle. Donc ensuite je rajoute donc les flocons d'avoine. Et je rajoute donc la farine petit à petit. Donc ensuite je vais pétrir à la main ma pâte et la mettre donc sur mon plan de travail avec de la farine. Et donc je vais étaler ma pâte rouleau à pâtisserie. Et donc j'ai pris un emporte-pièce, donc moi j'avais que, prenez l'emporte-pièce que vous voulez, moi j'avais que des cœurs, donc c'est ce que j'ai fait. Donc à 180 degrés, donc pendant 20 à 25 minutes, et ensuite je les ai laissés dans le four pendant avec le four éteint pendant 2 heures pour que ils se déshydratent bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.